Bon, c'est bien beau, mais voler au club tout le temps, c'est un peu ennuyeux. Donc là, je vais explorer un nouveau coin, me récupérer sur Google Earth. On va voir si c'est volable. Donc normalement, il s'agit d'une grande clairière. Je sais pas trop ce qu'il va y avoir. D'après le panneau qu'il y avait à l'entrée, c'est une zone de reboisement. Donc, oh putain, je me suis pris une toile d'araignée dans la gueule. Une zone de reboisement, il y aura sûrement des trucs, des sapins replantés ou des pins replantés. Ouais, on commence à voir la clairière là. On va voir si on peut voler. On va voir s'il y a un chemin déjà, si on peut se poser. Ah ouais. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. Donc d'après la vue satellite, ça fait 300 mètres de diamètre environ, une grosse clairière circulaire avec une petite zone sèche au milieu, un rond sec. On va voir ce que ça donne. Je peux décoller là. Ça a l'air pas mal là. Ouais, très bien là. Ça me plaît. Ah ben on va décoller là. Donc c'est parti pour 4 lipos. J'ai pris que 4 lipos. On va voir si je me perds pas. Parce que c'est toujours un peu délicat de voler dans un endroit qu'on ne connaît pas. Voilà, on va voir.
Bon ben voilà, spot validé. Plutôt pas mal. On peut faire des lignes entre les petits sapins. Un peu de freestyle, que j'ai pas fait aujourd'hui. Voler entre les arbres. Et bien sympa, là j'entends un hélicoptère, un avion qui vient de passer. Bon, pourtant le vol est autorisé jusqu'à 50 mètres d'eau dans le géoportail. Donc bon, on va espérer que les avions ne volent pas plus bas. Mais l'endroit est bien sympa. Je me suis fait une frayeur sur ma première lipo. J'avais pourtant checké le nombre de satellites avant le décollage et ça n'a pas marché. Donc j'ai décollé, je m'en suis aperçu un petit peu plus tard, un petit peu après, que j'avais des satellites, mais mon point de décollage n'était pas enregistré. Et j'étais perdu. Et donc j'ai fait le tour de la clairière avant de me retrouver, de retrouver l'endroit où il y avait une bagnole qui passe, merci pour le bruit. Retrouver l'endroit d'où j'avais décollé. Je me suis fait une petite frayeur parce que j'avais pas envie de me faire les 300 mètres de clairière à pied à chercher un drone qui bip. Voilà, ça m'apprendra. Bon, ça a quand même été un petit peu la session galère. En regardant mes rushs, je me suis aperçu que j'avais mal mis ma GoPro et je voyais le TPU orange et en plus le reflet du filtre ND. Alors là, c'est passé après Rilski Digo, donc ça va à peu près, mais c'était pire que ça sur les rushs originaux. Et là, c'est le moment où je me suis perdu. Le GPS n'indiquait rien, je ne savais plus du tout où j'étais. J'ai tourné, j'ai cherché un endroit jaune parce que je me rappelais qu'il y avait des fleurs jaunes près du point de décollage et je les ai enfin retrouvées. Mais ça a été un petit moment de solitude. Putain, je me suis perdu, le GPS marchait pas. Hein.